j'aurais cru qu'un jour, le cinéma n'existerait plus. Je visualise mes écrits. Si seulement le monde pouvait les percevoir comme je les vois. Atreyu, ce serait son nom. Un personnage qui représenterait n'importe qui. L'esprit de mon histoire qui prendrait forme humaine. Il montrerait à la nouvelle génération que tout peut prendre vie, plonger dans un univers de liberté, de magie, où rien n'est impossible, et oublier un instant la réalité monotone et la triste banalité qui nous entoure. Se retrouver en un individu brave pour apprendre ce qu'est le courage, en un individu créé au caractère et aux atouts impensables pour la société actuelle. Et retrouver une multitude d'idées et croire au possible. Et retrouver un monde aux mille réalités. J'aimerais transmettre mes souvenirs troubles par les mots de mon histoire. Encore faut-il qu'ils ne s'effacent pas, car le temps presse, j'oublie, et la comédie devient une légende. Tu n'étais même pas née d'ailleurs. Ah bon? Tu peux pas improviser un peu? Donc ton amoureux est travaillé pour les services secrets? Oui. Ok. Tu es en train de leur mettre des trucs dans la tête. Des trucs faux. Tu leur racontes des fictions, des mensonges. Le petit gars se prend pour Superman, tu t'en rends compte? Il est trop fort. Ah bon, oui, il est trop fort. Ils vont croire que tout est possible. Ça va complètement les pervertir. Mais non. Au risque de t'apprendre des évidences, maman, il n'y a que la réalité de vrai. Il faut leur dire la vérité. Vous parlez de quoi déjà? Non mais je suis fou de ma gueule. Mais non. On parlait du petit. Tu vois, le petit qui se prend pour Superman à cause de tes histoires. Ah oui, c'est vrai. Non mais à quoi tu joues? À Julianne Moore dans Style Alice. Quoi? Elle est atteinte de la maladie d'Alzheimer, ça s'est déclenché à un stade précoce. Au début, ses enfants... Tu fais peur, maman. Mais tu me fais quoi? Fais peur, tu comprends? Tu n'as pas le droit de parler de ça. C'est ce qu'elle dit à chaque fois. Et elle ajoute, c'est interdit. C'est interdit. La pauvre, elle est née après la censure du cinéma. J'ai essayé de lui raconter des films. Qu'elle puisse les raconter ensuite à son tour et qu'ils se transmettent de génération en génération. Mais elle ne veut pas. Pour elle, il n'y a que la réalité de vrai. À qui tu parles? Au spectateur. Tu es folle. C'est ce que je vous disais. Je pourrais avoir une censure publicitaire, s'il vous plaît? Parce que la situation pourrait devenir apocalyptique et ma fille et moi pourrions alors utiliser des sabres laser pour nous entretuer jusqu'à ce que je lui dise... Ophéa, je suis ta mère. Merci, là je sais.
un rêve, papa. Avec maman. Je comprends, mais la vie doit continuer, tu sais. Chacun de nous a ses responsabilités. Il ne faut pas que la mort de maman puisse nous servir d'excuse pour ne pas faire notre travail. Tu es d'accord? Oui. Il est temps que nous ayons une petite conversation tous les deux. Ton professeur de mathématiques m'a appelé hier. Il m'a dit que tu dessinais des chevaux sur ton livre de maths. Des licornes, pas des chevaux. Des licornes. Dis quoi? Non, rien. Il m'a aussi dit que tu avais rendu en retard les devoirs à faire à la maison. Je suis très déçu que tu n'aies même pas essayé d'entrer dans l'équipe d'équitation. Tu voulais prendre des leçons d'équitation. Tu prétends adorer des chevaux. Tu sembles avoir peur de monter sur un vrai cheval. Allons, Nathanaël. Tu es assez grand pour comprendre qu'il faut arrêter de vivre dans les nuages et commencer à avoir les pieds sur terre. Tu es d'accord? D'accord. Ne rêve plus éveillé. Il faut affronter tes problèmes. Tu es d'accord? D'accord. Parfait. Bien, nous venons d'avoir une conversation très utile. Nous devrions en avoir plus souvent. Passe une bonne journée et tâche de ne pas être encore en retard. Mais hier, je l'étais pas. Bonjour à tous et bienvenue pour notre volet spécial Enquête du réel. Un mot circule, une rumeur enfle, la crainte se répand comme une traînée de poudre. Dans des salles obscures, certains s'adonneraient à des divertissements. Divertissements, le fait de se divertir, de se détourner du réel, donc à des comportements déviants. En cause, une activité à laquelle seuls s'adonnaient les primitifs, bien avant l'ère de la vérité. Le terme cinéma, c'est comme ça qu'on dit. Cinéma. Pardon? Cinéma. Ah, ciné, cinéma. Merci. De rien. Notre volet spécial enquête a enquêté. Oui, c'est ça. Nous avons enquêté grâce à l'aide de spéciaux enquêteurs, Derrick et Sherlock, des enquêteurs en série, comme on dit. Bonjour. Oui, bonjour. 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 Vous êtes à la solde de l'État. Qu'avez-vous à nous dire? Ne vous inquiétez pas. Oui, il ne faut pas avoir peur. Non. 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 Je dirais même plus. Non et non. Oui, c'est ça. Non, non et non. Très bien. Mais quelle est cette peur qui gangrène notre cité? De dangereux criminels ont retrouvé, dans du maïs soufflé, la trace d'une vieille tradition païenne. Mais ne vous inquiétez pas. On est là pour vous sauver. Nous sommes en quelque sorte des super-héros. Des super-héros? Chers spéciaux enquêteurs en série, vous attisez notre curiosité. Spider-Man et Superman, vous connaissez pas? Mais... Non. Elle connaît pas? Mais tais-toi! Elle connaît pas? Non mais ça va pas, tu te rends compte? Il faudra couper ce dialogue au montage! Ok, donc reprenons, on en était où? Donc,
De dangereux criminels ont retrouvé dans du maïs soufflé la trace d'une vieille tradition païenne. Mais ne vous inquiétez pas, on est là pour vous protéger. Pouvez-vous nous éclairer sur les dangers d'une telle tradition? Est-ce que ça tue? Parfois oui, il y a des morts. Mais rassurez-vous, c'est fait seulement avec du ketchup. Ça se mange? Non, non, pas vraiment. Mais les primitifs en consommaient beaucoup. À l'heure du dîner, parfois au goûter, le dimanche. Mais quel goût ça avait? Oh, il y en avait pour tous les goûts. Le problème, c'est que ça pouvait être du poison. Ça modifie votre façon de voir. Un dangereux poison. Ça a l'air inoffensif comme ça. Mais au fond, le cinéma peut être très acide. Pour le gouvernement surtout. Mais t'as mangé du lion? Mon Dieu. Je crois qu'elle a été contaminée par le... Ciné, ciné, cinéma. Ah, Rosée! Coupez, coupez! Chers téléspectateurs, une épidémie cinématographique s'est répandue dans notre pays. Ne sortez plus de chez vous. Surtout, faites semblant de rien. Restez dans la réalité. Et si vous voyez quelque chose de curieux, si on vous parle de quelque chose qui n'existe pas, alors... Appelez au 00000001. Le septième saut. Plan moyen, le chevalier, de profil gauche, à genoux, qui fouille dans un sac posé à côté du jeu d'échecs. Il tourne son visage de face, le regard vers le haut gauche cadre, un relief rocheux à l'arrière-plan. Qui es-tu? Plan moyen de la figure en noir qui esquisse un léger sourire. Je suis la mort. Plan moyen du chevalier. Tu viens me chercher? Plan moyen de la mort. Depuis longtemps, je marche à tes côtés. Plan moyen du chevalier. Je sais. Plan moyen de la mort. Es-tu prêt? Plan moyen du chevalier. Un cheval passe de gauche à droite à l'arrière-plan. Mon corps, oui, mais pas moi. Le chevalier se lève, panoramique d'accompagnement vers le haut, la musique sombre reprend. Attends un instant. Plan poitrine en légère plongée de la mort qui regarde le chevalier de dos, la nuque et la tête en avance droite, cadre éclairé par la gauche, le bord de mer à l'arrière-plan. Vous dites tous cela. Je n'accorde pas de délai. Plan poitrine du chevalier. Tu joues aux échecs, n'est-ce pas? Plan poitrine de la mort. Comment le sais-tu? Plan poitrine du chevalier. C'est mon affaire. Plan poitrine de la mort. Tu as raison. Plan poitrine du chevalier. La condition est... Tant que je résiste, je vis. Si je fais mat, tu me libères. À toi les noirs. C'est la couleur qui me va, n'est-ce pas? Elle touche ses lèvres de sa main gauche en souriant. La musique sombre est de plus en plus forte. Parfait! Merci! Coupez, coupez! J'étais à Palm Avenue, à deux pas en voiture de Sunset Boulevard où se déroulaient les Oscars. Il y avait plein de bruit. Toutes les filles qui étaient là étaient en pleine puberté. Puis d'un coup, plus rien. La ville a disparu dans le fog. Toujours en anglais, dans le texte, c'est le brouillard, comme disent les Anglais et les US. Los Angeles, plus rien. Vous imaginez? Toutes les maisons de Beverly Hills, de Melrose Place, de Mulholland Drive, tout n'était que des pans de murs sur tréteaux. Cette ville fondée autour du cinéma n'était plus qu'un vulgaire décor de cinéma auquel on ne pouvait plus croire. Du vent totalement. Mamie, tu l'as vu? Qui? Oscar. Oscar? Mais non. Tu dis des crabes. Leonardo,
Leonardo, lui, tu l'as vu? Leonardo? Ah oui, oui, je l'ai vu. Mais il n'avait plus son aura. Tout était gris. C'est ce jour-là que le monde a disparu dans le noir et blanc. Plus de couleurs dans ce bas monde. Pourquoi, mamie? Au début, on n'a pas très bien compris. C'est petit à petit qu'on a su. C'était une réforme politique. Ça ne faisait plus assez de blé. Après tout, oui, c'était une entreprise, une industrie qui vendait du rêve. Mais maintenant, il n'y a plus rien. Maman! Mais ma petite, arrête! Arrête de l'embrouiller le crâne! Mais c'est la vérité! Mamie vous dit des craques et raconte des histoires. Il ne faut pas la croire. Moi, j'aime bien les histoires. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Tu les as perverties. Fais un petit effort d'imagination. Un tout petit. Dehors! J'aime pas les fouilles! Falcos! T'es encore là? T'as pas entendu ce que j'ai dit? J'étais en train de te cacher, de me piéger, c'est ça? Non, j'étais... Les machines à sous, les chihuahuas en fourrure et les roues de la fortune, c'est en bas de la rue. Ici, il n'y a pas de bip 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 bip. Ici, comme avant, quand ceux qui regardaient le monde l'enfermaient soigneusement dans une boîte de Pandore plutôt que dans une boîte de conserve. Alors je te prie de t'en aller. Je sais ce que vous voulez dire. Non, je sais pour Pierrot le fou, Taxi Driver, Le Dîner de Con, Star Wars. Bon. Oui, 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 oui. Bien. Mais tu voulais quoi ici? Je voulais voir. Je voudrais savoir. Qu'est-ce que vous voyez? Autre chose. Mais qu'est-ce que c'est? Écoute. Les images que tu vois à la télévision sont sans danger. Quand tu les regardes, tu te prends pour une célébrité télévisée, un gagnant double taux, un dirigeant d'entreprise. Mais c'est ça de voir plus loin. Oui, bien sûr. Mais après, tu redeviens le gamin sans cervelle que tu es. Tu regardes le monde par l'interstice minuscule accordé à un journal télévisé qui ne raconte rien du monde où nous vivons. Mais qu'est-ce que vous voulez dire? Approche. Regarde dans cette boîte. Est-ce que tu as déjà eu peur de ne plus pouvoir être sauvé? Je sais ce que c'est. Tout est faux. C'est exactement ce que je voulais te démontrer. Les images que tu regardes sont mortes et sans danger. Et pas celle-ci. Ça n'a aucune importance. Regarde. First of all, you fucking hip. I see you coming shit. I stand here. You make a move. You. Ha ha! Don't try. You talking to me? You talking to me? You talking to me? Elle a besoin de 5 minutes de pur délice.
de pose onctueuse. Non mais à qui vous parlez là? Qu'est-ce que ça vient faire là? C'est quoi cette histoire? Dégagez de chez moi! Non mais, on a très peu de temps. On va arriver d'ici quelques minutes. Qui ça? J'ai pas le droit de te parler. Alors ne dis rien. Ils arrivent, Truman. Non, moi c'est Nathanaël. Le monde entier sait tout sur toi. Tout le monde sait tout ce que tu fais. Ils font tous semblant, tu comprends? On fait tous semblant. On joue la comédie en permanence. Lorraine, je ne comprends pas. Non, je ne m'appelle pas Lorraine, je m'appelle Emma. Emma. Emma? Lorraine, chérie. Tu commences? Attendez une seconde, vous êtes qui? Je suis son père. Je suis ton père. Emma, tu es capable de faire cette... Excusez-moi. Quoi? Je suis son père. Je n'ai jamais vu cet homme. Il montre ou manière, n'écoute pas, je t'ai dit la vérité. Tout ça, c'est du faux, c'est du toc. Ça a été fabriqué pour toi. Je ne comprends pas. Tout ça, c'est un décor, une émission, ça a été fabriqué pour toi. Que se passe-t-il? Schizophrénie, elle a des crises. On a tout essayé. Hypnose, thérapie. Ne vous inquiétez pas. Ne l'écoute pas. Ne l'écoutez pas. Vous n'êtes pas le premier. Elle les amène tous ici pour leur raconter des histoires. Il ment, Truman, ne l'écoute pas. Viens me rejoindre. Ne craignez rien. La suite de notre volet spécial Enquête du réel, une discussion dans le passé avec Jenna Rollins. Rollins. Oui. Jenna, qu'est-ce que le cinéma? Le cinéma, c'est une conspiration. Sérieux, je le pense. Et tu sais pourquoi? Parce qu'il nous conditionne. On est conditionné depuis notre enfance. Il nous apprend à gober n'importe quoi. Il veut nous faire croire à un idéal, à la virilité, au romantisme et surtout à l'amour. À l'amour, Marine. L'amour. Alors forcément, on y croit. On cherche autour de soi, mais on ne trouve pas. On prend des jobs comme toi, Emma, moi. Et on passe un temps fou à se bichonner un nid. Et on apprend à être féminine, tu vois. Féminine entre guillemets. Faire la cuisine. Je n'ai jamais eu de Humphrey Bogart dans ma vie, ni un Brad Pitt, ni un Johnny Depp. Tu vois ce que je veux dire? Il n'existe même pas, Marine. Mais le cinéma t'avait fait croire le contraire. Il t'avait fait croire le contraire. Et même si tu es très futé, tu y crois. Alors, et tu sais quoi? Et ben maintenant, on est bien frustrés. Qu'est-ce que je peux faire? Je sais pas quoi faire. Qu'est-ce que je peux faire? Je sais pas quoi faire. Qu'est-ce que je peux faire là? Je sais pas quoi faire. Je ne sais pas. Tous ces personnages créés, disparus, effacés à jamais. Seul un souvenir trouble nous reste. Le souvenir d'un sorcier, d'un aventurier, d'un super-héros. Tout cela n'existera plus. Si je pouvais enseigner à cette génération le bonheur de s'évader, de jouer un rôle, d'interpréter, s'abandonner un instant et rêver, juste rêver. Mais qui de nos jours rêve encore? Qui aime penser à autre chose qu'à la réalité? On nous retire l'impossible des éventualités. Les enfants, la jeunesse, condamnés à demeurer sans ce droit. Le droit de s'évader dans un monde où règne paix, sérénité, où les esprits ne sont pas pervertis par la peur, où les stéréotypes sont bannis. Cet univers de magie, où ils veulent et peuvent se rendre. Celui où tout est possible, en un coup de baguette, en une formule. Si tu avances encore, je te découpe un morceau. Qui es-tu? Je suis Morgue. Et toi, qui que tu sois, tu peux avoir l'honneur d'être ma dernière victime. Je ne me laisserai pas
tue si facilement. Je suis un guerrier. Oh, courageux guerrier. Affronte le néant. Mais je le voudrais. Seulement, je ne peux pas franchir les limites de Fantasia. Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Fantasia n'a pas de limites. Ce n'est pas vrai, tu mens. Enfant stupide, ne sais-tu pas ce qu'est Fantasia? C'est le monde de la fantaisie de l'homme. Chacune de ses parcelles, chacune de ses limites fait partie des rêves et des espoirs de l'homme. C'est pour cette raison qu'il n'existe aucune limite. Mais pourquoi Fantasia est en train de mourir? Parce que les gens ont commencé à perdre espoir et à oublier leurs rêves. Alors, le néant envahit tout. Qu'est-ce que le néant? Ce qui reste, le vide. Le désespoir détruit ce monde. Mais pourquoi? Parce que les gens ont commencé à perdre espoir. Et celui qui obtient la soumission détient le pouvoir. Qui es-tu en réalité? Je suis le serviteur que cache le néant. J'ai été envoyé pour tuer le seul être qui aurait arrêté le néant. Je l'ai perdu dans les marécages de la mélancolie. Il s'appelait Atreyu. S'il faut mourir, je préfère mourir en me battant. Viens te battre, bon, je m'appelle Atreyu. Attends, j'ai le fini. Si le héros... Et si le héros était une fille? Peut-être que je deviens
fou, mais j'ai l'impression que le monde entier le regarde. Tu ne crois pas que tu fantasmes? Tu prends tes désirs pour des réalités. Tu aurais voulu faire autre chose de ta vie. C'est normal. On a tous déjà rêvé devant notre miroir de devenir célèbre. On voudrait tous briller. Non, non, c'est pas ça. J'ai l'impression que tout le monde est de mèche. Je suis ta meilleure amie depuis l'âge de 7 ans. Je sais que la vie ne nous a pas donné tout ce dont nous avions rêvé. Je connais ça. Ce sentiment que tout nous file entre les doigts. Et on ne veut pas s'y résigner. Alors on cherche des réponses ailleurs. Mais je veux que tu saches que je serai prête à faire n'importe quoi pour toi. Je veux que tu saches que je serai prête à faire n'importe quoi pour toi. Et que je ne te mentirai jamais. Et que je ne te mentirai jamais. Rends-toi compte, si tout le monde était de mèche, alors je devrais l'être aussi. Et je ne suis pas de mèche, Nathanaël, pour la bonne et simple raison qu'il n'y a pas de mèche. Et je ne suis pas de mèche, Nathanaël, pour la bonne et simple raison qu'il n'y a pas de mèche. Doucement sur le brouillard, la grue se tient prête. Là, caméra 3, plan large, caméra trottoir 8, gros plan. Non, 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 recule. Musique. Et maintenant, on resserre. Une autre. Bravo, on va faire péter l'audimat. Notre prochain candidat, Monsieur Bonacteur. Bonacteur, pas Bonacteur. Bonsoir. Bonsoir, je m'appelle James Bonacteur et je vais vous faire une petite démonstration. Ouais. Cary Grant est pourchassé par un avion dans la mort de trousse d'Alfred Hitchcock. Je sais pas moi, tout. Et toi? L'ambition. L'espoir. Le mouvement des choses. Les accidents. Quoi encore? Je sais pas encore. Ben, tout. Tu vois? J'avais raison il y a 5 ans. Tu me comprends jamais. Qu'est-ce que je peux faire? Je sais pas quoi faire. Qu'est-ce que je peux faire? Je sais pas quoi faire. Qu'est-ce que je peux faire? Je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire! Alors sache que les brochets se font attraper par les pêcheurs
mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour. La suite de notre volet spécial, enquête du réel. Agathe, réalisatrice de réalité, bonjour. 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 Vous avez créé le Truman Show. Qu'est-ce que c'est ? Rassurez-vous, il n'y a rien de plus réel. Aujourd'hui, on ne supporte plus les acteurs qui expriment de fausses émotions. On s'est lassé des pyrotechnies, des effets spéciaux. Et le monde dans lequel il évolue est plus ou moins artificiel en ce qui concerne Nathanael. Truman, l'homme vrai en anglais dans le texte. Et donc, Nathanael ne triche jamais. Aucun script, aucune note, ce n'est pas toujours du Shakespeare, mais au moins c'est authentique, la vie d'un homme. Le Truman Show, starring Nathanael as l'homme vrai. J'y arriverai pas. Starring Lulu as la meilleure amie d'enfance. Il n'y a rien de faux, tout est réel, tout a lieu en vrai. Rien n'est truqué. Il n'y a aucun trucage. Seulement un contrôle. Starring Clémence as la psychologue de Perle de Lait. Je veux dire, pour moi, il n'y a aucune différence entre ma vie publique et ma vie privée. Je n'ai qu'une vie. Je n'en ai pas d'autre. Celle du Truman Show. Le Truman Show, c'est... C'est à la fois une sorte d'hymne à la vie et... une célébration de la vie. Ok, scène suivante. Séquence 92B. Jardin, extérieur, jour. Jules et Julie, improvisation. Ok, scène suivante. Séquence 93, chambre intérieure, nuit, Jules et Julie, improvisation. Ok, scène suivante. Séquence 93B, couloir intérieur, nuit, caméra subjective. Julien regarde Jules et Julie. Texte à improviser autour de... note du réalisateur. Ha, ha. Ok, scène suivante. Séquence 94, supprimée. Ok, générique de fin. L'image se fige, la photo devient sépia, les violons doucement s'éveillent. Non. Quoi? Non. Les violons, ouais, ne sont pas des violons. Ah bon? Tes yeux? Sûr. Les violons ne sont plus des violons. Depuis quand? Depuis ce matin. Réunion de crise. Plus de budget. Plus d'orchestre symphonique. Plus de violons. Rien que de la voix. A cappella. Et pour nous? Pareil. Idem. Plus d'argent. Plus d'histoire? Non. On pose nos stylos et nos idées. Plus d'histoire, on part! Nathanael, tu peux parler? Je t'entends. Qui êtes-vous? Je suis le créateur d'une émission de télévision qui donne de la joie, de l'espoir et de l'inspiration à des millions d'hommes et de femmes. Et moi, je suis qui? Tu es le héros. Alors, rien n'était vrai? Toi, tu étais vrai. Et c'est pour ça que c'était si bon. Écoute-moi, Nathanael. Il n'y a pas plus de vérité à l'extérieur qu'à l'intérieur du monde que je t'ai créé. Même cachotterie, même supercherie. Mais dans mon monde, tu n'as rien à craindre. Je te connais plus que tu ne te connais. Il n'y a pas de caméra dans mon crâne. Tu as peur. C'est pour ça que tu ne peux pas partir. Je comprends. Ta place est ici, avec moi. Parle-moi. Dis quelque chose. Dis quelque chose, bon sang, on passe en direct à la télévision. Des millions de personnes nous regardent. Tu fais quoi? Je sors. Quoi? Et si je ne vous revois pas, une bonne soirée et une excellente nuit. Mais oui, il l'a fait. Bravo. Tout à l'heure, quand je regardais dans la rue les passants, j'ai découvert qu'ils étaient les figurants d'un cinéma de science-fiction. Derrière l'apparence du quotidien, la vie n'est pas seulement ce qu'elle semble être. Je sais maintenant que de l'autre côté du miroir, des lapins courent après le temps, des chevaliers mettent la mort en échec, des enfants bravent le néant.
Il n'y a plus ni vous, ni vrai. Que du trouble. Ceci n'est pas du cinéma. Vous pouvez envoyer le fog, le noir et la musique de fin.